Après des résultats réguliers, vos objectifs du milieu de tableau semblent plus difficiles à atteindre que prévu. Serez-vous capable d'inverser cette tendance? J'attends davantage de mes joueurs, surtout de la part des titulaires réguliers. On doit perdre le moins de points possible. Il n'y a pas vraiment d'enjeu face au prochain adversaire Monaco. Comment parvenez-vous à motiver vos joueurs? Indépendamment de l'enjeu, nous avons un standing à tenir. On aborde tous les matchs avant la même importance. Dites-moi, pensez-vous que des changements sont nécessaires parmi les titulaires? On fait des changements pour être sûr d'affronter l'adversaire dans des meilleures conditions. C'est une bonne équipe et je me demande si mes joueurs peuvent se donner à 100%. Merci, salut, salut. Ça sera tout pour moi. À la prochaine. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à quelques centaines de mètres de la mer dans la principauté de Monaco aujourd'hui. Pierre Ménès est à mes côtés, très heureux lui aussi. Les amateurs de foot français vont être servis puisque c'est un match de Ligue 1 Conforama que nous allons suivre ensemble. Reste Monaco contre Amiens. Les deux entraîneurs ont certainement rappelé l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui, de l'engagement, de la concentration pendant 90 minutes. L'enjeu, c'est évidemment les 3 points, point barre. Les visiteurs qui ont souvent beaucoup de mal à trouver le chemin des filets. Raison de plus pour ne pas jouer avec le frein à main, ils sont parfaitement capables de marquer à l'extérieur. Alors voilà une équipe qui devrait jouer comme d'habitude, hein, c'est-à-dire en mettant une grosse pression sur l'adversaire, y compris dans son camp d'ailleurs. Ouais, on a clairement un coach qui a intégré les bases du football moderne, on ne peut pas en dire autant de tous ses confrères. La composition de l'Amiens Sporting Club, la voici. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Ce sont les Monégasques qui engagent. Nelson Martins. Allez, le centre maintenant. La défense qui va pouvoir souffler un peu avec ce long dégagement. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Ouais, très bon coup franc. Cette faute commise dans une zone dangereuse. Allez, un coup franc pour prendre l'avantage dans cette rencontre, pourquoi pas. Exceptionnel! Oh, quel arrêt! Ah, c'est magnifique et d'ailleurs ses coéquipiers le félicitent. La frappe était cadrée, mais le gardien s'est montré vigilant sur ce coup franc. Le corner qui est joué en deux temps. Le centre qui file vers le second poteau. Et il y remet, ouais, ça joue vite et bien.
Il a la place pour centrer. À travers le premier poteau. Bon, attention, c'est pas fini. Bon, on s'intéressera aujourd'hui, bien sûr, à celui qui suscite des milliers de commentaires depuis quelques jours. Il va devoir assister au coup d'envoi depuis le banc des remplaçants. Et ça, c'est quand même surprenant, bien sûr. Oui, ce qui est surprenant, c'est qu'il ne soit pas dans le rôle de départ aujourd'hui. Est-ce que c'est un choix tactique précis? Est-ce que sa condition physique est douteuse? Est-ce que c'est le début d'un conflit larvé entre l'entraîneur et le joueur? On ne sait pas encore, mais il faudrait que ça se décante assez vite, tout ça. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Attention, ça peut devenir intéressant. Ça n'ira pas plus loin. Guirassy. Ah, la passe en profondeur, attention. Chercher une solution là. Excellent tacle qui lui permet de récupérer cette balle. Avec Benacer. Jovetic. Allez, ce Monaco qui va pouvoir continuer parce que c'est dégagé devant. Il va s'appliquer sur ce centre. Allez, on écarte loin devant. L'ouverture. Oui, le centre pour Jovetic. Ça, c'était dangereux. Bonne intervention. Eddy Niaoré. Allez, il n'y a personne. Il peut prendre l'espace. Ah, il va centrer. Pour un équipier au second poteau. Bon, qu'est-ce qu'il a voulu faire là? Et en tout cas, il s'est raté. Il résiste bien, hein, bien campé pour protéger son ballon. Jovetic. Attention, il a du champ devant lui. Il tire. Oh, c'est un boulevard là, qui s'ouvre devant lui. Il essaye de trouver la faille. Allez, c'est Monaco qui va pouvoir continuer parce que c'est dégagé devant. La touche à venir après ce bon tacle. Jovetic va pouvoir centrer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Allez, dans la boîte, il y a du monde. Ouais, il a gagné son duel, attention. Énorme interception. Golovin. Et c'est le but après d'énormes efforts collectifs de la part de cette équipe. Quel pressing. Ouais, ils ont été courageux, ils courent sur tous les ballons ou presque. C'est ce qui leur a permis de marquer. On sent une équipe qui a pris la mesure de son adversaire, Pierre. Elle était déjà considérée comme la plus forte sur le papier, puis comme elle ne déçoit pas, qu'elle produit du jeu, bah, c'est logique de la voir prendre le dessus. Et c'est pour la joie sur le banc de touche, il va falloir courir après le score maintenant. Les joueurs de la principauté qui mènent au score. Niaoré. Bon, Charney Otero. Allez, ça joue vers l'avant. Allez, dans la surface, il y a du monde. Ah, il a bien lu ce centre, le gardien. Joël Vetman. Aïd Benacer. Il pas le ballon, il le perd.
Diñaoré. Ballon perdu d'un côté, récupéré de l'autre. Il remporte son duel. Ah, excellente défense sur ce coup. Et Diñaoré. Steven Mendoza. Et Diñaoré. A complètement raté cette passe. Ouais, bien joué, il fallait faire l'effort d'aller chercher, disputer ce ballon. Allez, il continue. Allez, pour qui ce centre? Ouais, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Et on peut constater une fois de plus le sang-froid, la lucidité de ce joueur dans le dernier geste. Parfait, rien à dire. Beaucoup de joueurs paniquent souvent lors du dernier geste en voulant trop bien faire. Avec lui, tout paraît toujours tellement simple. Et les voici donc avec deux buts d'avance, 2-0. Ce graphique qui confirme que c'est bien l'AS Monaco qui a la main mise sur le ballon. Ce qui fait la force de cette équipe aujourd'hui, c'est qu'elle donne l'impression d'être dangereuse à chaque incursion dans le camp adverse. Et forcément, ça explique le score. C'est parti vers le deuxième poteau. Ah, cette tête ne sera pas cadrée. Il lui a manqué quelques centimètres. Régis Gartner. Et Diñaoré. Steven Mendoza. Il faut trouver une option disponible. Morales. Jovetic. Allez, Monaco qui va pouvoir continuer parce que c'est dégagé devant. Ce ballon en profondeur. Ouais, la frappe. Et non, le tir qui est contré. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Il progresse. Centre long au deuxième poteau. Ah, il se pose pas de questions. Long dégagement. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Il essaye de trouver la faille. Il cherche une solution. Elle est contrée cette frappe. Ouais, sans prendre de risque, il a dégagé ce ballon très loin. Guirassy. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Sont en train de poser leur jeu patiemment. C'est Guirassy. Joël Vetman. Ouais, laisse Monaco qui va pouvoir continuer parce que c'est dégagé devant. Ouais, on est en bonne position là pour centrer. La défense qui va pouvoir souffler un peu avec ce long dégagement. Ah oui, c'est bien fait ça. Chercher l'ouverture, bien sûr. Ah, et le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Morales. Jovetic. Steven Mendoza. Christophe Jallet.
Diñaoré. Steven Mendoza. Oh, le grand danger. Bonne défense, mais le danger qu'il est que écarté, il est toujours là. Nelson Martins, Wissam Ben Yedder. Et il gagne quelques mètres. Gelson. Morales. Le gardien qui repousse. Il y a toujours danger. Peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Non, c'est terminé là. Tout le monde est bien revenu en place. Charmaine Otero. Girassi. L'ouverture. C'est vraiment cool d'avoir marqué ce but qu'on est en train de revoir d'ailleurs. Dans le vestiaire à la mi-temps, l'ambiance ne va pas du tout être la même qu'avec deux buts de retard, c'est évident. Il mène à la marque désormais 2-1. Voilà l'arbitre qui va renvoyer tout le monde au vestiaire sur ce score de 2-1. Les visiteurs qui subissent la loi de l'adversaire à la mi-temps. C'est quand même mal barré pour les visiteurs. Pour espérer un résultat, ils vont devoir marquer un but et c'est justement ce qu'ils ont beaucoup de mal à faire. Ce sont les Monégasques qui engagent. Oh, la parade exceptionnelle! Oh, quel arrêt! Ah, c'est magnifique, et d'ailleurs, ses coéquipiers le félicitent. Ah, il va centrer. Pour un équipier au second poteau. Oh, qu'est-ce qu'il a voulu faire, là? Et en tout cas, il s'est raté. Ouais, il a gagné son duel, attention! Une énorme interception! Golovin! Et c'est le but après d'énormes efforts collectifs hein, de la part de cette équipe. Quel pressing! Ouais, ils ont été courageux. Allez, pour qui ce centre? Ouais, il y est! Oh, qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer. Ah, cette tête ne sera pas cadrée. Il a manqué quelques centimes.
période dans ce match. On va voir si les joueurs ont bien récupéré pendant le repos. La coupe qui va pouvoir continuer parce que c'est dégagé devant. C'est dans le paquet. Et le centre bien négocié par le gardien. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Les 30 derniers mètres. Alès. Centre peut-être, allez. Il centre sur le défenseur. Il a cherché le point de pénalty. Oh oui, bien joué, le gardien à la parade. Juricic. À la surface, il y a du monde. Le mauvais dégagement. Ils ont eu chaud sur cet excès. Le ballon qui était à deux doigts de franchir la ligne. Oui, les supporters ont retenu leur souffle pendant une fraction de seconde, mais c'est dans les bras du gardien. Bon pressing hein, dans cette zone là, il faut dégager. Christophe Jallet. On cherche des solutions là. On gagne du terrain. On cherche quelqu'un au second poteau. Le centre un peu raté. Et le gardien qui s'en saisit tranquillement. Joël Wettmann. Radamel Falcao. Alexander Golovin. Falcao. Et le ballon qui est finalement perdu. Voilà, passe complètement manquée. C'est cadeau. On cherche une solution. Steven Mendoza. Non, ça ne passe pas, c'est contré par le défenseur. Alexander Golovin. Jovetic. Cherche une ouverture, bien sûr. Attention, ça peut faire but. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Et le score qui est maintenant de 3 buts à 1. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? On cherche la faille dans la défense adverse. Le ballon qui a été contré. Le ballon rendu à l'adversaire. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Morales. Et l'arbitre qui décide de laisser l'avantage au Monégasque. C'est un mauvais espace, c'est cadeau. On a atteint l'heure de jeu. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Morales. Ouais, le ballon qui est donné en profondeur. Ah, c'est là le jouer, l'appel, il aurait dû attendre un peu. Ouais, carton jaune hein, qui est arrivé de façon un petit peu tardive. Ouais, on sent que l'arbitre a hésité. On voit cette intervention qui n'a pas trop plu à l'arbitre. Excès d'engagement pour l'arbitre, ça fera donc coup franc. Nelson Martins.
Ouais, elle a du potentiel. Ah ouais, superbe, il file au but. Le gardien, c'est pas fini. Ouais, du point, le gardien. Oh, la défense complètement à la rue. Oh, le ballon dangereux. Ouais, la claquette du gardien, mais le répit qui sera de courte durée, c'est un corner. Changement, il va céder sa place. Je rappelle qu'il a pris un carton jaune tout à l'heure. On ne prend pas de risque du côté de l'entraîneur. Ah, il est bien tiré le corner là. Ah, ils ont failli se montrer dangereux sur ce corner. Ah, il y avait de l'idée, mais la défense s'en sort bien. Très fort. Ouais, Willem passe directement à l'adversaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Le bon ballon. Ballon capté par le gardien. Encore une occasion de but pour cette équipe. Bon, cette fois ça ne passe pas, mais on sent qu'il y a largement la place pour marquer encore. Ouais, Fernay Otero. Ah ouais, ça c'est bien. Sur l'aile. Mathieu Bonnemer. Il s'infiltre, attention. Ah, il a bien résisté à cette charge. On a été dans la défense, hein, c'est encore pire. Il a pu. Ah, il Alors, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Le repli a été très rapide, très efficace pour enrayer cette contre-attaque. Allez, c'est Monaco qui va pouvoir continuer parce que c'est dégagé devant. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Ah, le bon pressing qui se traduit par la récupération du ballon. Allez, ça joue vers l'avant. Il centre vers Falcao. Il n'y aura personne à la retombée de ce centre. Keita Baldé. Il est bien placé, peut centrer. Ah, il faut trouver l'ouverture. Ah, mauvais dégagement, mal fait. Allez, on place ça pour une contre-attaque. Ah, il y a beaucoup d'espace devant. Frappe. Allez, le plongeon là pour les photographes, même si c'est vrai quand même le danger était réel. Ouais, enfin, ça fait un peu pop-corn comme intervention quand même. Est-ce Monaco qui va pouvoir continuer parce que c'est dégagé devant. Allez, oh, personne pour l'arrêter. Attention. Allez, ballon bien arrêté, bien capté. Pas facile hein, pour ces joueurs en ce moment, Pierre. Ils sont mal classés. C'est vrai que le doute s'est un peu installé. J'avoue que je ne sais pas trop de qui viendra la solution. Hein. Il faut trouver une option disponible. Gelson. Ah, il va centrer. Mais ça n'ira pas plus loin, c'est repoussé. Avec Benacer. Il cherche des solutions là. Oui, le centre peut-être. Allez, il peut marquer Falcao. Et c'est renvoyé par le poteau. Ouais, il repousse, ça joue. Le ballon rendu carrément à l'adversaire. Oh, c'est bien donné en profondeur. Il choisit de repiquer au centre. Ah, c'est contré.
passe lobée dans le dos de la défense. Oh, le but peut-être. Oh oui, il y est. Tir à bout portant sur lequel le gardien ne peut évidemment rien faire. Monaco qui creuse encore l'écart. Oui, là maintenant il déroule sans forcer parce que en plus l'adversaire réagit même pas. Ah, clairement, ce match tourne à leur avantage. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Ouais, on passe par les côtés. Tabal. Oh, il s'est ouvert un boulevard. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Ignoré. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? C'est parti dans la surface. Oh, c'est dangereux. Et le but, ils sont allés le chercher, hein, ce but. Ils n'ont pas arrêté de harceler le porteur du ballon. Quelle énergie ils ont mis. Ils sont récompensés. Oui, ils ont forcé l'adversaire à jouer en sur-régime par moment. Et voilà la première approximation. Ça se paye cash. On voit ce but qui ne changera sans doute rien à l'issue de ce match. Ouais, à part raviver quelques regrets. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. ...4-2, avance de 2 buts au tableau d'affichage. Bon, c'est toujours bien de marquer, mais bien sûr, personne n'est dupe hein, après ce but. Oui, l'essentiel a déjà été fait, on va pas en faire des caisses. Hein. Jelson Martins. Oh, il est passé, il y a danger. Jelson Martins, il était tout seul et il a manqué le dernier geste. Peut-être un manque de lucidité sur cette action. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. Ça Konaté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, il a pris un gros risque en taclant comme ça dans la surface. Alexander Golovin. Il avance balle au pied. Attention, il peut centrer là. Jelson Martins. C'est manqué. C'est peut-être qui ne donnera rien finalement. Bah ouais, le timing est pas bon et du coup ça passe largement à côté. On va jouer 3 minutes de plus. Allez, ça doit aller au fond ça. Et le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Jelson Martins. Falcao. Ouais, un bon ballon d'attaque. Il va pouvoir adresser un centre. Mais ça n'ira pas plus loin. C'est repoussé. Il risque de perdre le ballon là. Moussa Konaté. Et l'arbitre siffle la fin du match. On a assisté à un festival offensif dans ce match.
Voilà, avant de regagner le vestiaire, je suis avec l'entraîneur qui a accepté de répondre à nos questions. Pensez-vous que le match aurait pu avoir une autre physionomie si vous aviez joué, fait jouer Yedlin? Aurait-il pu vous faire gagner? À lui de me faire mentir. Parfois on prend les mauvaises décisions. Il faut savoir l'accepter. Il y aurait la possibilité de prouver que son absence aujourd'hui dans l'effectif était une mauvaise décision. Vous avez marqué en dernier, pourtant vous avez incliné pour 1% but d'écart. À qui la faute? À qui la faute dans cette défaite? Mes joueurs avaient besoin d'une piqûre de rappel. Ils l'ont eu. Nous n'avons pas été bons dans la manière et sur le plan tactique, ça s'est traduit au tableau d'affichage. Ouais, ils ont donné les ballons aux monégasques. Vous inclinez face à une équipe mieux classée que vous. Vous deviez douter ou non? Je vais douter de cette défaite, non. On leur a fait une ferme. On leur a servi le match sur un plateau, nos erreurs sont impardonnables. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci, ça sera tout pour moi.